Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre Doux Soit Dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a ici chez nous à CPL Télévision. Vous êtes certainement un habitué de nos rendez-vous, vous savez le principe. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines dans le pays. Un invité est donc avec nous pour tenter de donner son point de vue par rapport à l'actualité. L'actualité dans le pays reste dominée par des manifestations, mais également ce qu'il faut désormais considérer comme des bavures de la mission des Nations Unies. Hier, trois personnes ont été tuées dans la frontière avec Kassindi par les casques bleus qui, soi-disant, revenaient d'une vacance au niveau de l'Ouganda. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'heure où les manifestations se multiplient également pour demander le départ de la MONUSCO? Quel est le rôle de la MONUSCO? Son problème, est-ce que la MONUSCO doit être considérée comme le seul responsable de ce qui arrive? On va tenter de faire un focus là-dessus. On parlera également du processus électoral dans le pays avec sa branche de l'actualité politique. Sans oublier une autre question d'actualité judiciaire très très importante, la question du procès de M. François Béat. Vous savez que son conseil avait décidé de récuser la composition de la haute cour militaire. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'on parle d'un procès politique? On parle d'un procès judiciaire ou plutôt d'un procès règlement des comptes. On va aborder ces questions dans cette émission. Un invité avec nous, comme d'habitude, et depuis Kinshasa, c'est M. Victor Tessongo. M. Tessongo, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, M. Perrault, et surtout merci pour l'invitation. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. On vous joint donc à partir de Kinshasa. Vous êtes acteur de la société civile, donc membre de la société civile. Vous suivez certainement l'actualité dans le pays. Hier, je le disais au sommaire de cette émission, la MONUSCO a tiré sur des individus à la frontière avec Kassindi. On parle des trois morts. Quelle est votre première réaction après ces énièmes accidents qui impliquent les casques bleus de la MONUSCO? Vraiment, c'est la situation de l'Est d'une manière générale, ça donne vraiment de la colère. Au lieu de pouvoir dire que c'est triste, mais ça donne vraiment la colère au regard de l'incapacité du gouvernement congolais, l'incapacité du chef de l'État de pouvoir trouver ou solutionner le problème de l'Est du pays. Bon, je vais d'abord retourner un peu en arrière. Le nom de Tshisekedi. Le nom de Tshisekedi, c'est le fondement même de notre lutte. C'est l'avènement même de mouvements citoyens que je fais partie à l'époque de la Lucha. C'était l'inspiration de nous, en tant que jeunes, de pouvoir descendre à la rue et revendiquer des questions fondamentales de notre pays. Et donc, moi, personnellement, j'ai eu à rencontrer le président de la République à l'époque quand il fut opposant plus de 5 fois. Et la dernière fois, c'était au mois de septembre. Mais lorsque Félix nous parlait du Congo, nous parlait d'un nouveau Congo, d'un Congo de développement, d'un Congo où il va se battre corps et âme pour devoir solutionner le vrai problème. Aujourd'hui, je me dis, je suis vraiment déçu, personnellement moi-même, je suis vraiment déçu de voir que le président de la République n'arrive pas à trouver des solutions, à pouvoir trouver des solutions pour le Congo par rapport à l'Est du pays. Est-ce que vous savez jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si le pays ou bien le gouvernement congolais ou le président sait que Onagana est sous l'administration rwandaise jusqu'à présent? Et donc hier, ce qui s'est passé, c'est encore la faiblesse de la politique étrangère du président de la République. Je me demande si le président de la République vraiment le pays doit rester au centre de sa politique. Et donc, le fait que hier, ce qui s'est passé avec la MONUSCO, ça démontre la faiblesse de l'État, ça démontre la limite du gouvernement. Non, mais vous responsabilisez Tshisekedi, mais c'est quand même une situation qui dure depuis plus d'une vingtaine d'années, M. Tessongo. Est-ce que c'est pas malhonnête aujourd'hui de tirer à boulet rouge sur Tshisekedi et de penser que le seul vrai responsable de la situation aujourd'hui, c'est l'incapacité ou la mauvaise gouvernance du président Tshisekedi? C'est une situation qu'il a trouvée, ça fait 20 ans que ça dure, non? Mais M. Perrault, lorsqu'on arrive au pouvoir, c'est pour solutionner le problème. Ça veut dire que lorsqu'il était en opposition, il a diagnostiqué le problème. Pourquoi nous avons une propagande pendant les élections?
élections, avant les élections. C'est pour donner la vision du pays. C'est pour donner la vision que vous pensez pouvoir diriger. Ça veut dire que vous avez déjà des solutions avec vous et vous venez vers le peuple pour que vous soyez élus et le peuple qui puisse vous faire confiance en fait de pouvoir matérialiser un programme bien maîtrisé par vous-même. Mais nous constatons que le président de la République, au-delà d'un programme qui nous a vendu, mais la réalité est autre chose. Il est dans l'incapacité totale de pouvoir nous trouver des solutions adéquates par rapport à la question de l'Est du pays. Ça fait très mal. J'ai dit, ça fait vraiment très mal aujourd'hui, Bounagana, je vous ai dit au début, c'est sous l'administration rwandaise. Imaginez-vous une partie du pays, c'est sous l'administration rwandaise. Imaginez-vous aujourd'hui, hier, regardez comment les casques de la MONUSCO ont tiré sur les citoyens, le paisible citoyen. Imaginez un peu plus ça. Et quel est le comité qu'on suit après par rapport? Qu'est-ce que le gouvernement vient faire après par rapport à cela? C'est ça le problème. Aujourd'hui, je le dis tout, c'est que le président Tshisekedi dit personnellement a vraiment décidé comme de milliers de Congolais. Parce qu'on avait vraiment de l'espoir. C'est l'espoir que Tshisekedi est aujourd'hui au pouvoir, les choses pouvaient s'améliorer. Mais nous comprenons que malheureusement, il n'est pas dedans, il n'est pas là pour solutionner le problème du Congo. Donc, quand on vient au pouvoir, on ne vient pas se lamenter. On a posé un problème, on a posé les diagnostics lorsqu'ils étaient à l'opposition, et donc ils sont venus vers le peuple avec un programme, disant que nous allons faire ceci, nous allons trouver la paix à l'est du Congo. Mais arrivé, qu'est-ce qui se passe? Le président Tshisekedi avec Paul Kagame, nous avons les accords OPAC. Je me demande même le rôle même du Parlement aujourd'hui. C'est quoi le rôle du Parlement? Le Parlement n'est pas une caisse de résonance du pouvoir. Le Parlement doit jouer son rôle. Il fallait revoir tous les accords possibles signés avec le Rwanda. Et donc, moi, je remets la responsabilité au président Tshisekedi parce que c'est lui qui doit nous trouver des solutions. Non, mais vous parlez des solutions, monsieur Tessengo. Vous parlez des solutions, mais le président est en train de se battre. Voyez-vous, le président a lancé l'état des siens, ça fait plus d'une année. Le président a lancé des opérations conjointes avec l'Ouganda. Toutes ces solutions-là sont des solutions qui vous ne vous plaisent pas. C'est des éléments qui démontrent que Tshisekedi se bat pour arranger la situation. Mais c'est que vous prenez même l'état de siège. Vous avez suivi à l'Assemblée nationale avec la commission défense et sécurité. Ils ont dit tout haut que sur les 100% de fonds qui devaient revenir à l'état de siège, les 80% restaient à tout ça. Et c'était que le 20% qui partait à l'est du pays. Nous avons dit ici que l'état de siège n'était pas la solution qu'il fallait au moment. Mais ils n'ont pas écouté. Nous l'avons dit. Et regardez aujourd'hui, quel est le résultat de l'état de siège? En Ituri comme au nord d'Ivo. Allez-y voir la réalité. C'est ça qui joue contre le Congolais. C'est ça qui joue contre le Congolais dans ce pays ici. Parce qu'il y a une mauvaise politique appliquée par rapport au secteur de la défense et sécurité. Je vous ai dit ici, la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, par rapport à son rapport, c'est les 80% de fonds qui restent ici à Kinshasa. Et le 20% partent au niveau de l'Est du pays. C'est ça. C'est ça la réalité de l'état des siens. L'état des siens, c'est ça qui joue contre le Congolais. Mais au-delà même de ça, le président de la République a effectué énormément de voyages. Je me dis que la politique étrangère du président de la République, c'est ce qu'il dit, c'est un échec. Il doit le reconnaître qu'il a échoué. Il doit le reconnaître qu'il n'a pas pu retrouver le Congo, la paix que nous avons voulu, qu'il nous a promis. Il nous a promis la paix. Il nous a promis qu'il va aller rester à l'est du pays. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il a promis qu'il va déplacer l'état-major général, le TG de l'armée, vers l'est du pays. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous imaginez? Et ce peuple-là souffre chaque jour. Ce peuple est tué chaque jour. Hier, c'est une preuve. C'est une preuve de la faiblesse de la politique étrangère du président Tshisekedi. Regardez le communiqué de la MONUSCO, mais la réaction aussi même. Moi, j'ai toujours dit, les comptes rendus que nous fait le ministre Mouyaya n'a que d'impact à Gombe. Point barre, c'est limite là. Ça n'arrive même pas à l'est du pays. Ça n'arrive même pas à Maluku. Ça n'arrive même pas à Ituri. Pourtant, là, on a besoin de solutions. Qu'est-ce que le pouvoir en place nous propose comme solution? C'est zéro. Vous parlez de l'échec du pouvoir en place. Vous étiez dans le mouvement citoyen, vous avez côtoyé Tshisekedi. Est-ce que vous êtes aujourd'hui à classer dans le lot des gens qui pensent que Tshisekedi a échoué? Vous êtes dans le lot de ceux qui sont déçus par sa gestion? Vous êtes, vous, dans le lot de ceux qui disent que c'est un jouisseur, un incompétent et un homme qui n'est pas à la hauteur des fonctions du président de la République? Mais je le dis ici, le président Tshisekedi, c'était un grand allié à nous, le mouvement citoyen. C'est quelqu'un qui nous a fait rêver un Congo nouveau. Je prends la liberté
des 37 ans de l'IDPS. Je prends la liste des 37 ans de l'IDPS. Il a incarné en lui lorsqu'il fut à l'opposition. Regardez les discours du président de la République actuelle lorsqu'il fut à l'opposition. Moi, personnellement, j'ai rencontré le président de la République quand il fut opposant plus de 5 fois. La dernière fois, c'était au mois de septembre. Mais quel était son discours? Son discours, c'était pouvoir changer. Même pas au-delà de ça, au-delà même de ça. Regardez la campagne que t'a battu le candidat Tshisekedi. Quel était le mot qu'il a sorti pour devoir convaincre le Congolais? C'est entre autres, c'est quoi? Trouver la solution par rapport à l'est du pays. Mais lorsqu'on arrive au pouvoir, on se plaît, parce que Kabila nous a légué de l'insécurité, Kabila, Joseph et les autres ont signé avec le Rwanda, ainsi de suite. Mais quand vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? On va tenter de retrouver monsieur... Pour ses enfants. Ok. Il est là pour devoir trouver les solutions. Trouver les solutions pour ses enfants. Non, vous êtes déçu. La gestion de Tshisekedi vous déçoit. Vous êtes déçu. Très déçu. On ne peut pas me traiter de nœud, s'il vous plaît, parce que nous, lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, c'était un mal nécessaire pour nous. C'était un moindre mal. Même si nous savons par rapport à son élection, la fraude, autre, on peut tout dire, mais le président Tshisekedi, lorsqu'il a été pourtant le président de la République, c'était un espoir pour ce pays. Il faut quand même se dire la vérité. Mais au bout d'une année, de 2 ou 3 ans, nous avons constaté que c'est la même personne, c'est le système qui continue, le système de l'impunité, le système de pouvoir de détournement, tout ce qui entoure, c'est là. C'est ça le problème avec le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi n'a pas pu faire une rupture, la rupture avec le passé. Continuer et ça va de mal en pire. Est-ce que vous regrettez Kabila que vous avez combattu? Aujourd'hui, ça devient un peu la question que tout le monde met sur la table. Vous étiez dans le mouvement citoyen, vous avez dit que Kabila, c'était un mauvais président, un Rwandais qu'il fallait chasser. Vous avez soutenu Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous demande de refaire la même chose, si on devait refaire l'histoire, vous garderez Kabila? Si on vous présentait Tshisekedi et Kabila, vous, Tessongo, vous prendrez qui? Monsieur Perrault, je n'ai jamais regretté le départ de l'ancien président Kabila, parce qu'il devait normalement partir. Si on regarde la constitution, même s'il y a eu glissement, ils ont tout arrangé à ce but, mais au moins je ne regrette jamais. Mais simplement, ce que je veux dire, Tshisekedi est le nôtre. Je l'ai dit tout haut. Tshisekedi est le nôtre. C'est l'un de nous. C'est un allié du changement. Mais malheureusement, arrive au pouvoir, au lieu de pouvoir imprimer les changements, c'est plutôt ce que nous voyons aujourd'hui. L'incapacité, la faiblesse de compromission et autres par rapport à la tête du pays. C'est ça la vérité aujourd'hui avec le pouvoir actuel. Il faut le reconnaître. L'IDPS a fait 37 ans. Je me dis aujourd'hui, si le fait Étienne Tshisekedi était en vie, le fait c'était en vie, c'est lui qui nous a tous inspirés aujourd'hui, même le mouvement citoyen, de pouvoir dire non à Kabila à l'époque. S'il était aujourd'hui, il devait même être opposant de son propre fils. Parce que ce qui est imprimé, c'est désolant. C'est grave ce que vous dites. Si Étienne Tshisekedi Wamulumba était vivant, il serait opposant de son fils, c'est Félix Tshisekedi. Je dis tout haut. Regardez le jour où le président. Monsieur Tessongo, est-ce que vous nous entendez là? Monsieur Tessongo, est-ce que vous êtes là? On va essayer. Monsieur Tessongo, la ligne était un peu compliquée. Est-ce que vous nous entendez? Vous êtes là? Je suis là. Vous disiez quoi? Que si Étienne Tshisekedi Wamulumba était vivant aujourd'hui, il serait l'opposant de Félix Tshisekedi, c'est ce que vous voulez dire? Mais effectivement, il serait l'opposant principal même de ce régime ici. Parce que le président de la République arrive au pouvoir, il ne sait pas donner à ce que la population veut. Je l'ai dit tantôt ici, le jour de sa présentation, c'est vraiment le peuple crié, Félix, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ça veut dire quoi? C'est l'état de droit. Le peuple d'abord, ça veut dire quoi? C'est finir la guerre à l'est du pays. Le peuple d'abord, ça veut dire quoi? C'est finir l'insécurité. D'avoir une bonne gouvernance. C'est tout ce qui entoure par rapport au peuple d'abord. Mais le peuple, qu'est-ce que le peuple vit aujourd'hui? Dans la misère. Regardez Kinshasa. Allez-y au marché. Allez voir le prix de denrées alimentaires. Allez voir, c'est ça la réalité avec le pouvoir actuel. Mais ils ne veulent pas le reconnaître. Moi, je dis, ils peuvent me traiter d'un nul, je m'en fous de tout, mais je vois la réalité. C'était un allié, il était le nôtre, mais malheureusement, arrivé au pouvoir aujourd'hui, c'est du fiasco, c'est de l'échec. Le peuple continue à souffrir, le peuple continue d'être tué. C'est ça la vérité.
Vous allez rester en ligne. On va boucler ce chapitre de la guerre dans l'Est de la République avec un peu de politique. Est-ce que cette déception peut vous amener à dire comme Alain Bolodjoie, par exemple, ou comme Jean-Marc Aboud, que M. Tshisekedi est tout simplement un incompétent, un jouisseur et quelqu'un qui n'est pas à sa place? Mais la réalité est là. Le président de la République ne s'est pas imprimé une bonne politique pour ce pays. Les politiques publiques, c'est quoi? Il n'était pas imprimé. Ça se voit dans tous les secteurs du pays. Allons-y à l'éducation. Moi, je fais le fin fond du Congo à l'Ituri. Quand on a la gratuité n'est pas effective. Elle n'est pas effective au pays. Quand je prends les secteurs de l'armée comme de la police, nous avons dit au président de la République à l'époque qu'il fallait revoir le chaîne de commande des militaires. Il fallait apporter des réformes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes très exigeants avec M. Tshisekedi parce qu'il a promis, et c'est un ancien opposant. Mais au-delà de ça aussi, nous ne demandons pas à Tshisekedi d'être comme Cendrillon avec une baguette magique où il tape, tout devient normal. Mais le fondamental, c'est quoi? C'est ce point de réforme. Quand il n'y a pas encore de réforme, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? C'est d'abord, il faut commencer par les réformes. Le processus de changement, c'est un processus qui arrive. Mais au moins, nous voulons que ça puisse commencer quelque part. Quelle est la réforme que M. Tshisekedi a apportée depuis qu'il est au pays? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. C'est la question fondamentale. On ne demande pas que oui, le fait d'Iri est quitté comme on en a 10 francs. Non. Mais on demande le processus pour que tout comme on a 5 dirait comme on en a 10 francs. Et la réforme. Il faut voir l'agriculture. Il faut réformer l'agriculture. Il faut donner de l'argent au niveau de l'agriculture. Il faut financer l'agriculture. Comment financer? C'est ça que nous demandons aujourd'hui au président de Tshisekedi. Et il a raté les décollages. Il a raté et il le sait, il est très conscient là où il est aujourd'hui. Monsieur Tshisongo, par rapport à la guerre dans l'Est de la République, là, on est en train de peindre une situation très compliquée, une situation assez lamentable. Mais est-ce que vous pensez que les attaques contre la MONUSCO sont une solution qu'on doit mettre sur la table? Est-ce que vous pensez que le responsable de la situation, c'est la MONUSCO? Et quelles sont, vous, les solutions que vous avez à mettre sur la table pour que la paix et la sécurité reviennent définitivement dans l'Est de la République? La première des choses, je condamne nous sommes de non-violents, nous manifestons dans la non-violence, il faut condamner la violence, et ce n'est pas interdit à un peuple de pouvoir revendiquer. Moi, je suis pour les revendications, je suis pour des manifestations, mais des manifestations pacifiques. Je vais manifester pacifiquement, parce qu'aujourd'hui, la grande question qu'il faut se poser, qu'est-ce que nous a apporté aujourd'hui la MONUSCO? Monique à l'époque, aujourd'hui MONUSCO. Il n'y a rien sur terrain. Aujourd'hui, ils doivent plier bagages et retourner. Ils doivent plier bagages et retourner. Et mais au-delà de ça aussi, je nous condamne, non, la RDC. Je condamne le pouvoir de Kabila. Je condamne le pouvoir de Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils ont apporté en matière de défense dans ce pays ici? C'est là où il faut se poser des problèmes. Aujourd'hui, nous avons l'impression que l'armée est incapable. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvaises politiques définies au-dessus. On a des hommes braves au sein de l'armée, ça, il faut le reconnaître. Mais lorsqu'il n'y a pas de bonne politique, c'est difficile. Je vous ai dit tantôt, ici avec l'état de siège. Sur le 100% de fonds qui devraient être alloués par rapport à l'état de siège, le 80% reste ici à Kinshasa. Mais ça fait quoi? Ils font ce 80% ici à Kinshasa. Au lieu de pouvoir le renvoyer, le 100% à Goma, en Ituri, à Bounia et nous autres. Mais les 80% restent ici, ça fait quoi? On comprend réellement qu'il n'y a pas une bonne politique publique dans ce secteur ici. C'est ça la réalité aujourd'hui, M. Perrault. Donc la solution, c'est quoi? C'est chasser la MONUSCO et réformer l'armée. C'est si je vous comprends bien. La solution, il faut aller rapidement avec nos vacations de la MONUSCO. La MONUSCO doit partir et laisser le pays aujourd'hui et que l'armée congolaise puisse prendre en charge. Mais au-delà de ça, l'ultime solution, c'est franchement en 2023, il ne faut plus laisser le pays au président Tshisekedi. C'est ça la ultime solution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner un autre mandat à Tshisekedi. Pour vous, il faut chasser Tshisekedi aussi. On ne peut pas donner. Il est conscient qu'il a échoué. En plein mandat, deuxième, parce que je dis, pendant deux ans, le président commençait déjà à demander de nous faire confiance. Il va rien se promettre au deuxième mandat. Mais ça, c'est un échec. Lui-même l'a dit. Il demande un deuxième mandat au peuple pour réaliser ses promesses. Mais ça, c'est un échec. C'est un aveu d'échec. Vous êtes, pendant que vous êtes en train d'exister, au lieu de pouvoir solutionner le problème, nous vous demandons comme de vous donner un deuxième mandat pour trouver une solution. Mais qu'est-ce qu'on dit? Donc, le problème, c'est un échec. Donc, du coup, les problèmes, c'est une erreur pour ce pays ici. En 2018, peu importe ce qu'ils ont
contre, c'est un mal nécessaire, comme je le dis. C'est quelqu'un qui fallait quand même pour le pays pour devoir décoller, mais malheureusement, il a raté. Malheureusement, il a imprimé, la misère dans notre pays encore d'une manière accentuée. Il a imprimé la pauvreté, il a imprimé l'insécurité totale. C'est ça le pouvoir de Tshisekedi. Et je le répète et je le répéterai toujours, il ne faut plus faire confiance au président Tshisekedi en 2023. Il ne faut plus faire confiance parce que nous allons encore enterrer les 5 ans qui vont venir et dans l'irresponsabilité totale. C'est ça. Je vais vous embarrasser un peu. Confiance et qu'en 2023. Oui. Je vais vous embarrasser un peu. Si Tshisekedi doit être chassé en 2023, pour vous, quel est le candidat idéal quand vous regardez la scène politique et la scène nationale? Ça sera quoi votre choix en 2023? Le choix du Congolais, le choix du développement, c'est un candidat qui répond aux critères. C'est un candidat qui a un cursus aussi normal. C'est un candidat qui donne des solutions. C'est ça qui va venir, pas seulement avec des promesses, qui va solutionner le problème. Aujourd'hui, c'est que nous demandons au peuple d'être mature. Lorsqu'ils iront aux urnes, ils doivent être matures. Le peuple doit être mature de voter des personnes capables à pouvoir solutionner. Il y en a. Je ne saurais pas les dire comme ça. Mais donc, vous, M. Tessongo, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Regardez la scène nationale et la scène politique. Ouais. Parce que vous dites que Tshisekedi, c'est un mauvais candidat. Il ne faut pas que Tshisekedi revienne. Quel est pour vous ce Congolais, cet oiseau rare, sur qui les Congolais peuvent jeter leur dévolu en 2023? C'est qui son nom? Mais, Monsieur Tessongo, vous êtes... Mais au moins, dans nos campagnes qui vont venir, j'arrive, dans nos campagnes qui vont venir avec la Ligue ou la promotion de droits de l'homme, que je dirige comme directeur exécutif, nous aurons des campagnes pour devoir sensibiliser le peuple, comment faire un choix, comment faire un bon choix, comment nous éviter de ce qui est en 2023, comment nous éviter des candidats qui ne pourront rien apporter dans ces pays-ci. Je crois que nous allons travailler avec la population, nous allons faire comprendre à la population qu'il faut faire un très bon choix ou ne pas regretter comme nous l'avons regretté avec Tshisekedi en 2023. D'accord. Voilà, en 2018. Vous êtes directeur exécutif de la Ligue pour la promotion des droits de l'homme. Je voulais qu'on fasse en 2-3 petites minutes une sorte de focus sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Mais avant ça, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous, les ONG et les forces des droits de l'homme, vous travaillez correctement? On dit également de vous que vous êtes acheté par les hommes politiques. Moi, je regarde les débats sur la scène nationale. Quand on voit un Kapiamba, par exemple, qui était très, très acerbe contre Kabila, qui faisait des rapports contre Kabila, aujourd'hui, beaucoup disent que le tribalisme l'a emporté. Kapiamba, c'est les plus... on ne le voit pas sur le terrain pour critiquer quand Tshisekedi le fait. Aujourd'hui, beaucoup de ses détracteurs disent de lui qu'il symbolise un peu une sorte de ces mouvements des droits de l'homme qui sont inféodés aux hommes politiques. Est-ce que vous êtes fier, vous, de toutes ces ONG des droits de défense des droits de l'homme, et vous répondez comment à ceux qui vous accusent, vous, des ONG des défense des droits de l'homme, d'être plutôt inféodés aux hommes politiques? Ces discours, c'est des discours de chaque jour, non seulement ils nous disent que nous sommes un féodaux aux hommes politiques, ils nous disent que nous sommes à la merci de partenaires internationaux et autres, mais je ne suis pas dans ce discours-là, mais au-delà, Kakamba et comme d'autres aînés comme Katene, ce sont des aînés que nous avons trouvés dans la profession, j'ai un profond respect, même si chacun peut avoir ses opinions et essayer de se détourner, mais au moins je respecte ces gens-là. Kapiamba aujourd'hui, on sait ce qu'il fait, ça c'est sa vie et il fait ce qu'il pense. Mais au-delà de ça, c'est que les organisations de la société civile, il faut quand même encourager ce que nous sommes restés aussi positifs, la majorité, pour devoir dénoncer et dire tout ce qui se passe. Moins pas, je l'ai dit ici tantôt que le pouvoir de sécurité a échoué. Je ne sais pas si nous en prenons directement en question de droits de l'homme. On va y aller. Quelle est la situation des droits de l'homme à l'heure où nous parlons en RDC? Parce que bon, on sait que Tshisekedi sort quand même de l'UDPS qui avait fait de la question du droit des l'état des droits et des questions des droits de l'homme son cheval de bataille. 4 ans après l'arrivée de Tshisekedi, est-ce que vous pensez que vous, qui êtes dans les secteurs des droits de l'homme, on est en train d'avancer vers le bon, on recule ou on stagne depuis que Tshisekedi est au pouvoir? Quelle est la situation des droits de l'homme dans le pays? Oui, je voulais quand même faire un peu l'historique par rapport à la question des droits de l'homme. Le président Tshisekedi arrive, il est proclamé président de la République en 2018.
jésuites, une année pendant qu'il a pris ses fonctions, on a vu des signaux aussi forts du président Tshisekedi. Il a libéré les prisonniers politiques, ceux qui étaient en exil sont revenus. Il y avait quand même des manifestations qui se faisaient d'une manière aussi pacifique, sans qu'il y ait la barbarie politicienne, sans qu'il y ait tous ceux qui ont tout par temps. Donc, la première année de Tshisekedi, c'était une bonne année où il a voulu vraiment imprimer la bonne face au moins en matière de droits de l'homme. Mais malheureusement, après, c'est du fiasco. Après qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire, au niveau de la Cour constitutionnelle, il a nommé des magistrats vague d'une manière irrégulière. Nous arrivons aujourd'hui avec des manifestations publiques, des arrestations presque à tout moment. Donc aujourd'hui, il faut se les dire la vérité. C'est qu'en matière de droits de l'homme, nous avons vraiment reculé en République démocratique du Congo parce qu'il y a deux cas. Moi, je vais aller dans la réalité de fait. Aujourd'hui, la dernière ici, c'est avec Jimmy Kandel. Jimmy Kitenge, qui est dans les cachots de la mer. Effectivement. Et pourtant, il faut quand même se dire la vérité. Ce que le président Tshisekedi arrive au pouvoir. Il a parlé de pouvoir humaniser les services de sécurité. Il a parlé de pouvoir fermer les cachots. Mais la réalité, c'est une promesse morte. La réalité, que les services de sécurité continuent à opérer toujours en violant systématiquement la Constitution de la République. Je prends les articles 17, je prends les articles 19, je prends les articles 18 de la Constitution où on parle de liberté individuelle. Malheureusement, aujourd'hui en RDC, avec le président Tshisekedi, nous constatons que nous retournons encore dans le même système où il fallait violer le droit des citoyens, où il fallait violer la Constitution de la République, où il fallait violer la Convention universelle des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, en matière de droits de l'homme, Tshisekedi n'est plus un bon exemple pour la question des droits de l'homme. Il n'est plus un exemple. On va parler aussi d'une situation que vous défendez très particulièrement, le cas François Béa, l'ancien conseiller spécial du président de la République. François Béa est en prison. Vous êtes membre d'un collectif, d'ailleurs vous en êtes le porte-parole, collectif Free François Béa. Avant d'entrer en profondeur sur l'affaire François Béa, pourquoi avoir décidé de créer le collectif François Béa? Un Congolais lambda qui se trouve devant son juge, vous décidez de lui créer un collectif et vous ne vous arrêtez pas ça. Là, vous donnez à cela un nom Free François Béa. C'est quoi les objectifs? Pourquoi avoir créé le collectif Free François Béa? Une très belle question, surtout que j'aime beaucoup répondre. D'abord, un ensemble de défenseurs des droits de l'homme. Personnellement, je suis défenseur des droits de l'homme. Et le collectif Free François Béa regorge en son sein des personnes prises de justice, des personnes qui veulent que les choses puissent avancer sur le plan de la justice en République démocratique du Congo. Et le cas présent, nous avons le cas François Béa. Pour nous, avant de pouvoir créer le collectif Free François Béa, nous sommes dit, en regardant ce qui se faisait, les présents avaient promis, comme je l'ai dit, à pouvoir humaniser les services de sécurité, de pouvoir aussi fermer le cachot et qu'il n'y aura pas des arrestations arbitraires et tout ce qui peut suivre par rapport à la bonne justice. Mais malheureusement, nous avons constaté avec M. François Béa, c'était de l'irrégularité totale dans son dossier. Il a été arrêté mal au militaire et arbitrairement, détenu arbitrairement, illégalement, alors sans mandat arrêté. Et face à tout ça, nous avons vu que les articles 17, 18 et 19 de la Constitution étaient violés. C'est comme ça que nous nous sommes réunis entre nous. Nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous allons faire pour devoir défendre la cause actuellement avec François Béa d'une manière, il est arrêté d'une manière injuste et c'est au-delà même du droit. C'est comme ça que nous avons eu, en tant que défenseurs de droits de l'homme, de pouvoir créer un collectif. Ces collectifs, c'est un groupe de faits, uniquement pour devoir défendre le droit et liberté de M. François Béa. Parce que nous avons constaté, comme je l'ai dit ici, l'ANR, l'Agence nationale des renseignements, a violé systématiquement le droit et liberté, a violé systématiquement la Constitution de la République, a violé systématiquement la Convention universelle des droits de l'homme, a violé systématiquement la Charte africaine des droits de l'homme. Et donc, face à ces éléments-là, c'est comme ça que nous avons eu l'idée de pouvoir créer un collectif de défenseurs de droits de l'homme dit aujourd'hui Free François Béa. Parce que nous estimons aujourd'hui que M. François Béa subit de l'injustice. Allons dans le fond. Vous m'y amenez. Vous dites que le droit de M. François Béa ont été violés. On vous répond, on vous dit non, M. François Béa est arrêté pour une question de sûreté de l'État.
et qu'en tant que telle, la procédure est totalement différente, serait totalement différente d'une procédure normale parce qu'il s'agit des questions de sûreté de l'État. Est-ce que vous pensez que M. François Béa, à l'heure où nous parlons, de par son arrestation, de par son incarcération, est-ce que c'est les droits de M. Béa ont-ils vraiment été violés? Parce qu'on vous répond, on dit que les faits qui lui sont reprochés sont tellement graves, c'était des questions liées notamment à la sûreté de l'État. Monsieur Perrault, je voudrais répondre à cette question, je le réponds toujours. Le service de sécurité ne sont pas au-delà de la Constitution. Le fait de je parle au fond du dossier, le fait de pouvoir attenter à la vie du chef de l'État ne permet pas de pouvoir violer le droit de l'accusé. C'est ça où nous sommes le fondamental. Parce que quand vous prenez l'article, je l'ai répété ici, des articles 17, 18 de la Constitution de la République, parle de droits fondamentaux de liberté des citoyens. Mais au-delà de ça aussi, la sûreté n'est pas au-delà de la Constitution. N'est pas au-delà de la Constitution. Ce que nous demandons dans ce dossier, c'est le respect au moins de la procédure. C'est le respect au moins de droits et libertés. C'est ce que nous demandons, le fondamental, c'est ce que nous demandons dans ce dossier-ci. Oui, on peut parler que M. François Béa aille à commettre tout ce qu'ils ont, accusé. Déjà, quand on entre même dans le fond, on comprend que c'est faux. Mais je reste d'abord dans la forme, madame. Lorsque quelqu'un est accusé de pouvoir attenter à la vie du président de la République, on le comprend qu'on ne parle de lui. Mais suivez au moins la procédure. C'est là où le régime civil d'aujourd'hui ne sait pas se mettre par rapport à l'état de droit. Regardez même le dossier Matata aujourd'hui. Suivez au moins la procédure. Regardez le dossier Jimmy aujourd'hui à l'ANR. Suivez au moins la procédure. Si vous voulez accuser quelqu'un, mais suivez et dit la loi. C'est là le problème, monsieur Perrault. C'est là le problème. Suivez au moins ce que dit la procédure. Oui, quelqu'un a à y commettre, vous pensez que oui, il a commis cela, mais suivez la procédure. Et mettez-lui un mandat de comparution. Comme vous savez qu'il ne vient pas, vous allez avec un mandat d'amener. Et après, maintenant, vous regardez la procédure. Mais dans le cas de M. François Béa, il n'y a jamais eu cela. Il n'y a jamais eu cela. Malou militaire, le 5 février, il est celui à la maison malade, assis, il voit. Jamais nous pouvons tolérer cela.
On va un peu de manière ramener M. Kadiama au niveau lorsque François Béa a été arrêté, quand on a pu au niveau de la télévision il parle au niveau de Congo, disant que M. François Béa a été bien, il était à l'aise, mais il oublie que c'est une détention arbitraire. Il oublie que M. François Béa s'est de la justice, c'est là où non. C'est ça que la colère nous en a, non, non, nous devons lever en tant que de vrais défenseurs de droits de l'homme. Nous devons dire la vérité au peuple. C'est comme ça que le collectif a été créé pour devoir dénoncer les irrégularités, dénoncer les violations des droits de l'homme dans le dossier François Béa. Mais au-delà de ça aussi, il y a d'autres dossiers que personnellement, moi-même, je suis, qui est de chez ma tête à pognon. C'est de l'irrégularité totale. C'est de violation de la Constitution. Aujourd'hui, il est traîné devant la Cour de cassation. Mais dans quelle procédure aujourd'hui? Il est traîné devant la Cour de cassation. On va peut-être épuncher un peu la profondeur, mais laissez-moi finir un peu les éléments de la forme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez concrètement pourquoi M. Béa a été arrêté? Le tout dernier invité que j'ai eu m'a dit que François Béa a été arrêté pour des histoires des conflits des palais. J'ai lu également Jeune Afrique écrire plutôt que c'est la première dame Denise Diakéro Tshisekedi qui avait appelé son mari pour l'arrestation de François Béa. Sans citer son nom, Boulogne a dit également ça quand il est dit que aujourd'hui l'Élie a pris les pas sur l'État. Est-ce que vous savez exactement pourquoi M. François Béa a été arrêté? Est-ce que c'est la première dame Denise Diakéro qui est derrière l'arrestation de M. François Béa, vous de son collectif? D'abord, quand nous avons appris par rapport à son arrestation, il y a eu des spéculations qui sortaient un peu plus. Et le porte-parole, ça c'est l'historique, au moins le porte-parole du président de la République sort à la télévision, à l'RTNC, disant qu'il y avait des indices sérieux de culpabilité, il y avait le complot contre le chef d'État, le coup d'État, tout s'était emballé par rapport à ça. Et après, Jeune Afrique nous sort de révélations. Vous savez c'est quoi Jeune Afrique? Et Jeune Afrique côtoie les autorités, côtoie ceux qui sont au pouvoir, au cœur même du pouvoir. Et donc la vérité, c'est quoi? Mais c'est François Béa, au-delà de ce que l'auditorat nous a sorti, au-delà de montage que l'ANRAI a fait dans ce dossier ici, la vérité dans ce dossier, c'est que M. François Béa a été le président de la République lui a confié un dossier. Il était le conseiller du président de la République. Le président a estimé que c'est quelqu'un de confiance. Il lui a donné son dossier. Il a donné le dossier de conflit minier entre M. Misselili et M. Kone Enanga. Et donc, le fait que François Béa, en tant que bon père de famille, aille avancer sur ce dossier, il y a eu des babesses derrière. Et c'est comme ça qu'il s'en suit. Et aujourd'hui, si la vérité qu'il faut dire dans ce dossier, si Afouyen Bank souffre aujourd'hui, par rapport aux 20 millions, c'est les dossiers qui étaient allés à côté. C'est ça la vérité. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même maquiller un peu les choses pour devoir le sortir. C'est-à-dire, ça devient important. Pour vous, c'est ce dossier minier-là qui amène François Béa en prison. Est-ce que François Béa a-t-il mis en cause la première dame dans son rapport et M. Misselele? Parce que bon, Jeune Afrique dit que c'est Mme Nyakero qui aurait fait arrêter François Béa. Est-ce que vous avez des informations? Quels sont les résultats auxquels M. Béa a abouti? Et qui sont pour vous derrière ce que vous qualifiez des montages contre M. Béa? Cette question ici, c'est, vous le savez tous, qu'au niveau de la prison, il y a deux guerres. Au niveau de la prison, il y a deux clans. Même le président lui-même, on se le reconnaît. Et la vérité, c'est qu'au niveau de la présidence, ceux qui sont plus encore compétents, mais n'ont pas d'assise pour devoir mieux travailler. Et donc, ce que signifie François Béa, c'est par rapport à sa compétence. Et donc, la vérité, c'est ça. C'est l'Afrique qui nous a sorti la première dame qui était derrière ce dossier par rapport à la raison de François Béa, même si la première dame a eu au moins à répondre sur cette question-là avec l'interview de vos confrères au niveau de RFI. La première dame l'a dit ouvertement qu'il
qui ne connaissait absolument rien. Mais au-delà de ça, la vraie vérité, c'est que dans ce dossier, il n'y a pas de complot. Dans ce dossier, il n'y a pas de coup d'État. Dans ce dossier, c'est la guerre au palais. Comme Jeune Afrique a bien à dire, a relayé l'information, que le collectif Free François B aussi relaie la même information que Jeune Afrique. C'est la guerre au palais, parce que la réalité aujourd'hui, nous le voyons. Il y a un désordre total côté de Non, mais allez un peu plus en profondeur. Excusez-moi d'insister là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Pour vous, cette guerre au palais-là, qu'est-ce que vous en savez? Qui est derrière la guerre au palais? Et c'est quoi le problème? Vous parlez de l'enquête sur le dossier minier. Qu'est-ce que François Béa a fait concrètement contre qui pour qu'il se retrouve dans cette situation? Si ce n'est pas indiscret d'ailleurs, ce que je vous pose comme question. Non, mais le président de la République lui a confié un dossier. Parce qu'il estimait que François Béa était compétent pour devoir transférer ce dossier-là. Et donc prenant ce dossier de la vérité, c'est ça la vérité. Il a eu un conseil en faveur de la vérité, et ceux qui étaient mécontents, le DCLI et les autres, ont y informé tout ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ça la vérité aujourd'hui. Donc, dans le dossier François Béa, même quand ils entrent au fond, regardez l'audition de l'instruction du dossier au niveau de la haute cour avec la chambre, avec M. Sipaka. Regardez les vérités. On parle d'un coup d'État qui a eu de commandes des armements et ainsi de suite. On sort de Basonkian, c'est que nos amis de Wenge nous ont apporté, c'est que nous appelons Pentagone, où on peut l'imprimer dans un cybercafé, où on peut s'en procurer à Zango. Ce ne sont même pas des effets militaires. Donc vous accusez, en gros vous accusez Bisselele. En gros vous accusez Bisselele, Fortuna Bisselele parmi les personnes qui sont derrière le coup. Nous nous revenons par rapport à la déclaration de Jeune Afrique. Okay. Nous revenons par rapport aux vérités de Jeune Afrique. Voilà. Et par rapport à ces vérités-là, pour vous, c'est Fortuna Bisselele qui est derrière. Non, mais c'est un clic qui s'est passé. Moi, lui, il y a un clic derrière qui ne veulent pas que le président puisse avoir une personne aussi compétente. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ça. Ils sont autour du président de la République. Voilà. On va peut-être aller en profondeur par rapport au procès. Je voulais quand même poser deux, trois questions par rapport à cela. Mais vous répondez comment à ceux qui disent... que le monde est juste, quand on tue par l'épée, on meurt également par l'épée. On dit que François Béa, c'est un sécurocrate qui a aussi les sang entre ses mains. On dit qu'il lançait quand même quelque chose sur la mort du général Delphin Kayimbi. On dit que le coup contre Vital Kamerhe dans l'affaire Sanjou, c'est également François Béa. Vous prétendez défendre quelqu'un que certains de ses détracteurs présentent également comme n'étant pas saint. Il était dans les services. Quand vous parlez de l'humanisation des services, lui, Béa était là. Est-ce que c'est pas le diable qui subit la conséquence des péchés qu'il a commis avant? Monsieur Perrault, si nous partons au sens que vous abordez aujourd'hui, ça veut dire que quand on est criminel, il faut que la loi soit violée vis-à-vis de vous. C'est ça. Ça veut dire que quand on a eu à commettre certains faits, comme vous avez détaillé ici, ça veut dire qu'il faut retenir la constitution contre vous, il faut violer la constitution de la République, il faut violer la procédure, il faut violer la procédure militaire pénale, il faut violer la constitution de la République, il faut violer la convention universelle de l'homme. C'est ça. Même un criminel a droit à un procès équitable. Il faut se dire quand même la vérité, c'est ça. Même un criminel a droit à un procès équitable. A fortiori encore un citoyen lambda. C'est ça la vérité qu'on nous ramène aujourd'hui. Oui, on peut parler de... Je ne connais pas, je ne sais pas le fond de ce dossier-là, mais François Béa mérite un procès équitable. François Béa mérite aller devant son juge naturel. C'est ça de vérité. Ça, c'est la constitution. Ça, c'est les lois du pays. Ça, c'est la convention. Non, mais ces détracteurs le disent à son temps, lui aussi, permettez pas aux autres d'aller devant leur juge. Ces détracteurs disent, il a tué aussi par l'épée, c'est aussi son tour. Moi, j'entends des commentaires comme ça sur les réseaux sociaux, on dit que ce n'est pas un saint. Monsieur Perrault, nous sommes dans un état de droit, comme l'a dit le président de la République lui-même, même si c'est un semblant d'état de droit. Qui veut dire l'état de droit? C'est le respect des textes, c'est le respect de la Constitution, c'est le respect de la loi de la République, c'est le respect de la Convention des droits de l'homme, où quelqu'un mérite d'avoir un procès équitable, où quelqu'un mérite d'être devant son juge naturel. Tout ça, même s'il a y a violé, je n'entre pas dans le fond, je ne maîtrise pas tout ce qu'il a y a fait, mais au moins ce que moi je vois sous mes yeux, c'est que la Constitution est violée. Ce que je vois sous mes yeux, c'est que la convention est vous est violée. Et c'est la vérité. Et donc, le président, lui, qui a parlé, il n'est pas l'humanité, donc il faut aujourd'hui autoriser que l'ANR puisse commencer à violer le droit des citoyens. Il faut autoriser aujourd'hui que le cours des tribunaux puisse rendre des décisions, tant en norme de décision au-delà de la loi.
vous voulez, parce que c'est un criminel. Même un criminel a droit à un procès équitable. Même un criminel a droit que ses droits et libertés soient respectés. C'est ça la vérité. Au-delà des aspects, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur lui, moi je ne connais pas ce qu'il a eu à faire, mais au moins ce que je vois sous mes yeux, ses droits sont violés. Et en tant que défenseur des droits de l'homme, je me lève pour devoir dénoncer. Et je les dénonce pour encore. Voilà. Allez, on va dire deux, trois choses sur le procès. Là, on a récusé le tribunal, certains, la composition. J'ai vu deux juges se sont déportés. Ça fait quand même plusieurs séances depuis que le procès BA a commencé. Est-ce que là aussi, vous n'êtes pas confiant sur l'indépendance des juges, sur le respect de la procédure? Vous avez parlé de l'arrestation, mais là, on est déjà dans une affaire fixée et dans une affaire qui est déjà en train d'être tenté d'être élucidé par un tribunal. Même là aussi, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas confiant, vous, le collectif Free François Béat. Effectivement, nous ne sommes pas confiants, nous l'avons dit. Le collectif Free François Béat continue toujours à dénoncer les irrégularités et les violations des droits de l'homme. On continue toujours à dénoncer l'influence politique, l'influence qui vient derrière ce dossier-là. L'ANR, le Conseil national de sécurité, nous continuons toujours à dénoncer ces irrégularités-là. Et donc aujourd'hui, la haute cour militaire, déjà, même au fond, même à la réflexion qui n'est pas la sienne. C'est ça la vérité. Pensons que c'est un civil, pourquoi le ramène devant les militaires? Oui, on va dire qu'il y a eu compatibilité avec le militaire ou autre, mais pourquoi le ramener devant la plus haute cour militaire? Pourquoi? Il y a des garnisons, il y a les hauts. Plus permettre d'avoir un procès, pas d'avoir en face de nous un procès, nous avons en face de nous une parodie de procès. C'est ça la vérité qu'il faut se le dire au-delà de tout. Et donc, nous, en tant que défenseurs de droits de l'homme, nous devons nous lever par rapport à ça et dénoncer. Peut-être nous trouvons qu'on est régulé dans ce dossier-ci. Nous demandons simplement, oui, l'affaire est fixée au niveau de la haute cour militaire et nous l'avons dit, et la composition ne garantissait pas un procès équitable. La composition ne garantissait pas le respect de la Constitution, le respect des lois du pays. C'est ça la vérité, nous l'avons dit. Et les avocats ont, constaté, même les accusés ont constaté, ils ont eu à réquiser deux juges, le président et son rapporteur. Mais fort malheureusement, après, ils se sont déportés. Ça vient confirmer. Ce procès de François Béat, ce n'est pas un procès juridique. Ce n'est pas un procès de la Constitution. C'est un procès politique. Des gens qui ont monté un dossier pour devoir ramener François Béat, mais en violant même devant le juge. Imaginez-vous que François Béat est malade. Il a demandé combien de fois de liberté pour le rejeter. Il a demandé même que son médecin puisse entrer en contact avec lui. Ils ne veulent pas. Donc vous voulez tuer quelqu'un? Vous voulez tuer quelqu'un? Et bien qu'est-ce que vous condamner? Vous ne savez pas de quoi aller condamner alors? C'est comme ça que les avocats ont quitté le procès à l'époque. Ils ont quitté le procès jusqu'aujourd'hui. La cour a pris la requête, a pris la demande des avocats et donc on attend une nouvelle composition. Mais cette nouvelle composition, nous demandons que le droit s'acquitte, qu'il y ait un procès équitable. Mais au-delà de tout ça, comme on ferme, pour nous, le collectif François Béat, nous disons que ce procès, c'est une parodie de justice. Ce procès n'a rien à voir avec le droit. Ce procès est hors norme. Et donc, ce qu'il faut faire, il faut libérer sans condition M. François Béat et ses collaborateurs. C'est ça la réalité. Donc, vous exigez à l'heure où nous parlons la libération pure et simple de François Béat et de tous ses collaborateurs? Non, mais c'est pas la vérité. La loi est violée. Je dis, M. Perrault, si dans ce pays, on avait des juges aussi responsables, je pèse très bien mes mots. Si dans ce pays, on avait des juges aussi responsables, mais c'est François Béat serait celui à la maison. Si on avait des juges responsables, il serait celui à la maison. Parce qu'un juge responsable, un juge qui a prêté serment, ne voudra pas tolérer le bêtise que nous avons vu dans ce dossier. C'est ça la vérité. Ne pas tolérer ce que nous avons vu dans ce dossier. Des irrégularités de violation de la Constitution. Il faut se dire la vérité. Un juge responsable ne peut jamais tolérer ce que nous voyons aujourd'hui et les juges vont devoir placer ce dossier et mettre fin à ce dossier. Voilà. Allez, on va terminer. Ça fait quoi? Ça fait 52 minutes qu'on est en train de faire cette émission. On va terminer, M. Victor Tessengo. Je retiens que le procès BA est un procès politique
que François Béa a été victime d'une guerre des palais, d'un coup monté entre autres par les gens que vous avez cités, et je retiens également que vous exigez la libération pure et simple de Monsieur François Béa et de tous ses co-accusés, donc ses collaborateurs. On nous a dit qu'il y en a un qui est sérieusement malade, le secrétaire de Monsieur François Béa, un certain Vanda, je crois. Comment il va? Vous avez des informations là-dessus? Guy Vanda était sérieusement malade, comme je vous ai dit. Nous avons demandé plusieurs fois que le médecin traitant, le médecin naturel, nous sommes entrés en contact avec eux, mais la composition refusait. Nous, c'est ce que nous avons refusé. Mais ils ont constaté eux-mêmes, le médecin n'était pas au point. Il n'était pas au point. C'est comme ça qu'à la dernière minute, ils l'ont transféré devant un centre hospitalier, devant le médecin. Et actuellement, M. Guy Vanda est pris en charge, même si nous dénonçons aujourd'hui comment. Ce petit que quelqu'un qui est détenu doit prendre soin lui-même, doit se prendre soin lui-même. Comment ce petit que quelqu'un qui est détenu doit devoir nourrir les gardes-corps qui sont commis à sa garde? C'est ça la vérité. Donc il doit d'abord, et non seulement, c'est prendre en charge lui-même, c'est l'État qui lui permet. Si l'État actuel de Guy Vanda est tel que nous voyons aujourd'hui, c'est parce qu'il a été détenu illégalement au niveau de la mer, arbitrairement au niveau de la mer, des conditions inhumaines et transférées vers le Louvre. Tous nous avons commencé en prison. C'est de mourir. Il faut dire la vérité. Moi, je fais la prison. J'ai été à la prison. Fais ma cala. Et donc, ces prisons, ce sont de mourir. Et donc, l'État s'est dégradé par rapport à ça. Et donc, l'État qui devait. Notre gouvernement, notre État congolais, le ministère de la Justice devait prendre en charge M. Guy Vanda. Mais non seulement qu'il se prend lui-même en charge, mais on lui impose aussi de pouvoir trouver à manger et à boire aux gardes commis à sa sécurité. C'est la vérité que nous voyons aujourd'hui. La vérité, elle est là. Donc, Guy Vanda aujourd'hui se prend en charge lui-même dans un centre hospitalier de la place. Il se prend en charge lui-même. Et même son médecin traitant à lui privé n'est pas encore entré en contact avec lui. Ils ont trouvé pour lui le médecin. Bon, on ne dit pas de souci, ce n'est pas un problème. Il a été pris en charge par lui-même, par ses propres frais. Ce n'est pas l'État, c'est par ses propres frais. Où est le ministère de la Justice? Où est le ministère des droits de l'homme, des droits humains avec mon aîné Pouela, que je ne reconnais plus encore aujourd'hui. Je ne le reconnais plus, c'est quelqu'un avec qui on a fait la lutte. Mais aujourd'hui, arrivé à ce ministère-là, il est devenu muet, il ne sait plus parler, alors qu'il y a des violations chaque jour des droits de l'homme. Où est Pouela aujourd'hui? C'est ça la vérité. Des gens qui étaient hier opposants, aujourd'hui au pouvoir, font le contraire. On va boucler la boucle, Monsieur Victor Tessongo. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Pour clôturer, ça sera quoi votre mot de la fin par rapport au pays et par rapport à la situation de Monsieur François Béa? Par rapport au pays, par rapport à la politique actuelle du pays, je dis au peuple de pouvoir se prendre en charge. Il y a le bloc patriotique qui est là. Nous devons continuer. Élections, déjà il y a la fraude électorale qui se prépare déjà à l'avance. Nous avons vu avec la composition de la Cour constitutionnelle dans l'irrégularité totale et pourtant c'est une partie dans le processus électoral. Nous avons vu avec la désignation de Kadima, peu importe de sa compétence ou autre, mais sa désignation est maille des irrégularités totales. De la corruption, vous avez suivi, mais c'est la Béchollet, parler des dents. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, nous partons vers la fraude électorale qui est en train d'être préparée. Et donc, le peuple congolais doit se prendre en charge. Le peuple est souverain. Le peuple doit dire les derniers mots. Le peuple doit devoir dénoncer et se lever. Donc, pour nous, aujourd'hui, le peuple doit se prendre en charge. Le peuple doit voir demain son avenir. Et donc, l'avenir n'est pas avec M. Tshisekedi. L'avenir n'est pas avec sa politique. L'avenir n'est pas avec ceux qui nous impriment comme politique, comme gouvernance. Non. L'avenir du pays est entre les mains du peuple. L'avenir du pays, c'est la responsabilité du peuple. Nous avons un grand devoir de pouvoir amener ce peuple-là à comprendre. Je sais que le peuple a déjà compris. La misère est là, la pauvreté est là, et le peuple doit devoir se prendre en charge. Et concernant le dossier de Goma et l'Ituri et le Grand Nord, l'Est du pays, en général, cette question-là, c'est au-delà même de la capacité de l'actuel pouvoir, de pouvoir montrer ses limites, de pouvoir a démontré qu'il ne pouvait pas trouver des solutions. Et donc, la MONUSCO doit partir. La MONUSCO doit partir. Et nous attendons les élections prochaines que le peuple puisse se prendre en charge. Et les dossiers de M. François Béa, nous les disons tout. C'est de l'irrégularité. Ce sont des violations de droits de l'homme, des violations de la Constitution. Et cette nouvelle composition qui arrive, nous sommes vigilants en tant que défenseurs de droits de l'homme. Nous regardons de loin cette nouvelle composition et nous mettons en garde ce
ceux qui viendront derrière ce dossier venir encore instrumenter les juges, instrumentaliser les juges. Nous allons nous lever contre ces gens-là. Et donc, nous allons encore dénoncer que la haute cour puisse désigner des juges responsables, des juges qui ont prêté réellement serment de pouvoir dire le droit, de ne pas dire autre droit, de ne pas dire autre chose, de ne pas démontrer leur influence dans ce dossier ici. Mais d'une manière générale, M. François Béa mérite une libération immédiate, lui et tous ses collaborateurs. C'est ça la vérité, parce que la forme, parce que la constitution a été largement violée. Et donc, nous ne tolérerons jamais, en tant qu'activistes de droits de l'homme, jamais nous en tolérerons cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Victor Tessengo. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et bon vent à votre combat et à vos mouvements. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Perrault, et je vous remercie surtout et tout le monde qui va nous suivre. Vraiment, merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Monsieur Victor Tessengo, qui est donc activiste de droits de l'homme, directeur exécutif de l'ONG des droits de l'homme, Ligue pour la promotion des droits de l'homme. Avec lui, on est revenu sur l'actualité politique et aussi judiciaire en République démocratique du Congo. Restez branchés avec nous. On retrouve un autre invité dans le cadre de cette émission demain. Vous, restez branchés sur nos programmes. Portez-vous bien et à demain. Bonsoir chez vous. Je recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.